Au début des années 60, certains terrains de la côte attirèrent l'attention de gros investisseurs internationaux à la recherche de nouveaux sites pour le tourisme. À la tête de ces entrepreneurs, le jeune prince ismaélite Karim Aga Khan dut créer les infrastructures fondamentales sur un territoire qui en était privé : routes, eau, électricité, lignes téléphoniques. À cette époque, aucune loi ne protégeait les côtes et les permis de construire faisaient l'objet de concessions individuelles. Ayant vécu des expériences d'urbanisation négative où l'absence de loi et de programmation avait permis des interventions délétères sur le paysage, l'Aga Khan et ses associés fondateurs du consortium élaborèrent un règlement intérieur afin de créer un style architectonique unifié. Le choix fut précis, fondre le plus possible les bâtiments dans le paysage méditerranéen. Ce choix guida les architectes de renommée internationale qui devaient opérer sur un territoire vierge. Les styles architectoniques furent empruntés à différents pays méditerranéens et intégrés en vue de créer un nouveau modèle de construction. Des innovations dans les formes, les volumes, les perspectives changèrent la conception traditionnelle de l'espace. C'était le début d'une petite révolution qui allait transformer l'architecture touristique. La Costa Smeralda prit forme, étonnant et émerveillant la majeure partie de la population locale devant un tel investissement sur des terrains qui, jusqu'alors, n'avaient aucune valeur. Des hôtels de luxe, tous différents les uns des autres, apparurent. Le Cala di Volpe, architecte Jacques Couel, le Romazzino, architecte Busi Rivici, et le Pitrizza, architecte Luigi Vietti. Ces hôtels furent fréquentés par des têtes couronnées, acteurs, actrices, hommes politiques, industriels, qui par leur présence contribuèrent à la renommée de la Costa Smeralda. En 1964, on construisit le village de Porto Cervo. D'abord le vieux port, ensuite la nouvelle marina avec son yacht club. Grâce à l'eau de la digue du Licha, on réalisa le terrain de golf de 18 trous du Pevero. Enfin, la création d'une compagnie aérienne pour le transport des touristes sur la côte, la Lisarda, aujourd'hui Meridiana, paracheva la réalisation d'un système touristique de prestige unique au monde. Les gens du continent regardèrent la Sardaigne d'un autre œil. De terre de bandits, elle devint paradis pour les vacances. L'île se trouva au centre d'un intérêt médiatique international. Ce fut le début d'un changement qui apportera des bénéfices économiques d'abord en Gallura, puis, vu la renommée de la côte, ouvrira ensuite les portes à d'autres investissements sur une grande partie des côtes sardes.
C'est l'architecte américain Robert Trent Jones qui projeta le terrain de golf du Pevero en dessinant les 18 trous dans un paysage d'une beauté à couper le souffle sur un terrain compris entre la plage du Pevero, l'hôtel Romazzino et l'hôtel Cala di Volpe. Les collines qui entourent le green sont devenues zones résidentielles avec de splendides villas ayant vue sur la mer. Le terrain du Pevero, faisant partie de circuits internationaux, est considéré parmi les plus beaux d'Europe. En 1960, Porto Cervo, l'agglomération la plus importante de la Costa Smeralda, n'existait pas. Il n'y avait aucune construction, uniquement la nature vierge. Sa baie était fréquentée par les pêcheurs de Ponza qui trouvaient là un refuge contre les vents occidentaux. Puis, soudainement, en 1964, avec l'expansion de la Costa Smeralda, les travaux pour la construction du village commencèrent sous la direction de l'architecte Luigi Vietti. Porto Cervo devint alors le cœur vivant de la vie sociale en Costa Smeralda, le lieu de rencontre de la jet-set internationale. L'architecte Busiri Vici y construisit en 1966 la chapelle Stella Maris de style méditerranéen. À la fin des années 70, l'ancienne et la nouvelle partie du village furent reliées par une avenue, la Passeggiata, où commencèrent à s'installer de nombreuses boutiques des meilleurs stylistes italiens et étrangers. Au cours des ans, Porto Cervo fut équipé de tous les services indispensables à un agréable séjour pour les vacanciers. Le vent habite dans cette région. En gonflant les voiles, il rend les régates plus excitantes et mouvementées. En septembre, le Yacht Club Costa Smeralda organise de prestigieuses régates internationales telles la Sardinia Cup chaque 2 ans et la Maxi Yacht Rolex Cup annuelle qui attire sur la côte les embarcations les plus compétitives et les meilleurs skippers du monde. La nouvelle marina est dotée d'environ 650 anneaux de port et d'une technologie ultra-moderne. À la fin des régates, la remise des prix devient un événement mondain qui attire les célébrités. La Costa Smeralda est le plus beau fleuron de la commune d'Arzachena, un atout majeur qui valorise et enrichit tout le reste du territoire.